Bonjour, nous allons jouer à Ratchet & Clank Rift Apart, un nouveau jeu de la saga Ratchet & Clank, les jeux d'aventure plateforme rigolo. Merci Sony PlayStation pour ce code. Voilà. testons. Parfait pour les novices et les héros du dimanche. Ah ouais? Les héros peuvent pas mourir au combat. Ah ouais? Ah, je vais mettre jeune recrue, hein. Il est plus difficile de tomber dans le vide. Ah oh là là, on joue en simplifié ou en défaut? Moi j'ai pris ce normal par défaut. Mode à 30 images par seconde incluant des fonctionnalités graphiques comme le ray tracing, les éclairages avancés. Ah, soit tu choisis 60 fps ou soit tu choisis 4K. Texte croate. On peut mettre le jeu en croate. Le croate? Pourquoi il parle que du croate? Fidélité. Performance. Mais fidélité, c'est ça? Le jeu, il a été traduit en croate? Voilà l'info.
leur vitesse et décrypte cette chose. C'est quoi? Où est l'info robot? Il a cassé tête pour sauver. Rivette ? Faut y aller. Tenez, c'est pour rentrer chez vous. J'ai créé un modèle taille unique, alors ça devrait... Merci. C'est qui, elle ? C'est pas Ratchet, c'est pas Clank ? C'est bizarre qu'on organise une fête en notre honneur. C'est vrai, on n'a rien fait d'héroïque depuis... des années. Et si les gens nous trouvaient ringards? Oh, peut-être qu'on est devenu ringards. Oh. Heureusement, nous n'avons rien à faire d'héroïque aujourd'hui. Hormis sourire et saluer le public. Oh. Ouais. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour les invités d'honneur de notre parade. Ratchet. Ah, il est en short. Et moi, le fabuleux capitaine Côte de Leslie Quark, j'animerai les réjouissances. Moi aussi, ah, on joue. Ça faisait un bail qu'on les avait pas vus. On peut voir la bio des personnages. Ratchet est prêt à tout pour protéger sa galaxie et se jette généralement bottes les premières vers le danger. Son habileté avec un plasmo mitraille n'a d'égal que son adresse avec sa clé. Et ses traits d'esprit. Dernier Lombax de cet univers, Ratchet est un mécanicien qui a grandi seul en rêvant de retrouver les siens, jusqu'à ce qu'il rencontre son partenaire et complice, Clank. Le crash de Clank sur Veldin marquera la première des nombreuses aventures du tandem de choc qui sera amené à voyager jusqu'aux confins de la galaxie pour affronter toutes sortes de vilains, comme l'infâme docteur Nefarious. Aujourd'hui, après tant d'années de repos, Ratchet se demande s'il est toujours fait de l'étoffe des héros. Clank est le meilleur ami et copilote de Ratchet. Il est aussi le cerveau de la bande. Bien qu'il ne l'admettra jamais. Depuis leur rencontre sur la planète Veldin, Ratchet et Clank ont vécu de nombreuses aventures et sauvé maintes fois l'univers des forces du mal. Sur son temps libre, Clank est la vedette de sa propre série d'Holovision et traque les technologies Lombax perdues. Captain Guac, il est stylé lui. Leader de la force Guac, ancien président et représentant commercial, le capitaine Copernicus Leslie Quark s'est autant distingué en tant que héros qu'en tant que méchant. Ah bon ? Récemment, il a pris
par l'organisation du Festival des héros de Mégalopolis, qui rend hommage au plus grand défenseur de la galaxie, Ratchet et Clank. Et lui-même, bien entendu. À lui, en short. Célèbre champion de hoverboard de Blackwater City, ami de longue date de Ratchet et Clank, Skid passe le plus clair de son temps à promouvoir ses équipements de sport à travers sa chaîne de magasins McMarks. Il y en a forcément un près de chez vous. Pete le Rouillé. Actuel capitaine des mécas pirates de sa dimension, Pete le Rouillé a autrefois affronté Ratchet et Clank sous les ordres du capitaine Slag. Aujourd'hui, son équipage et lui ont conclu un pacte avec le gouvernement galactique, lui promettant de ne pas piller et voler que lorsqu'il aurait le dos tourné. D'accord. Dis donc, t'as vu un peu ce qu'il y a ? Même après toutes ces années, c'est toujours aussi électrisant. Ouais, tu l'as dit. Nos très chers héros vont maintenant se dépêcher de rejoindre leur plateforme. Encouragez bien fort nos héros! Eh oui, les amis, c'est une journée mémorable qui vous attend. Programme, formidable moi, sans oublier évidemment l'incroyable cadeau surprise de Clank pour Ratchet. Oh non, toute la galaxie est au courant maintenant. Attends, un cadeau? Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la parade. Alors, on ferait mieux de se mettre en route. Tout a commencé sur la planète Eldine, où le jeune Ratchet, un bricoleur frénétique, fait une aventure. Il résume l'histoire de Ratchet et Clank. Ah mais non.
Un gros bouton rouge. C'est la fierté. Mesdames et messieurs, le héros vous représente en cirque de la rage. Tiens, L2 pour lancer la clé. De l'invasion de Kerbal. Hatchet, je pense que la foule a bien mérité une petite démonstration. Enfin, une fois qu'il aura pu faire plein de missions d'avant. Je tire. Ça fait des impacts de balles sur le pare-brise. Et paf! Faut aller où? C'est là-dedans, non? Ah! Ratchet, je crains qu'il ne fasse pas partie du spectacle. D'autres méchants? Ils sont où les méchants? Quoi? Quelqu'un a mis nos têtes à prix? Ah! Merde! J'espère que ce n'est pas lié à ton cadeau. Vite, dépêchons-nous d'aller à l'avant de la parade. Magnétimote. Le spectacle est loin d'être terminé. Accroche-toi. Ah.
courir et saluer la foule. Quelque chose me dit que c'est l'œuvre des Plargues. Des Kragmites. Oui. Oh, Docteur Nefarius. Ah, impossible. Nefarius a pris sa retraite bien avant nous. Oh là là. Merde. Tu as vu? On va pouvoir planer. Oh là là, ça, c'est de l'action tonitruante. Hein. Ok. Ah là là, mais il gigote aussi. Oh, en fait, faut pas viser. C'est comme Valorant. La navette, où ça? Ça c'est celle-là? Non. Ah merde! Oui. On peut rester appuyé, ça tire plus vite. Ah bah oui. Fallait rester appuyé. On sort pas mal. Est-ce que c'est fini? Fallait rester appuyé. Vous dites pas vous aussi. Et maintenant, nous arrivons au présent de ce bah oui. Hatchet, le dernier Lombax connu. Les autres étant perdus dans une autre dimension, s'apprête à recevoir un mystérieux cadeau de la part de Clark. J'avais préparé un discours, mais la parade étant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami, mon coéquipier. Le pouvoir de l'amitié. Et tu as renoncé à beaucoup de choses pour... J'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille. Oh, écoute, je... Docteur Nefarius, Ratchet et Clank, quelle merveilleuse surprise! J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vu que mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Oh, qu'est-ce que vous voulez, Nefarius? Ça! C'est le méchant.
emploi. On doit jouer. Il faut à tout prix reprendre le dimensionnateur au docteur Nefarious. Oui, et sans tarder. J'ignore ce qu'il a en tête, mais attendons-nous au pire. La folaille. Me douter que Nefarious tenterait quelque chose. T'en fais pas pour ça. C'est exactement comme au bon vieux temps. En route! J'ai l'impression que Nefarious a atterri du côté de la gare. Oh, Madame Zurkon, il nous faudrait une arme. Besoin d'une arme? Madame Zurkon a tout ce qu'il faut. Madame Zurkon? La seule boutique qui te permet de gonfler ton arsenal. Magasin achat. La bombe à dispersion. L'exécuteur. Tout détruire. Faut prendre quoi ? J'hésite. Jeter les bombes, non? Les bombes. Celle-ci sera du plus bel effet dans ton arsenal. D'autres mercenaires en approche. Ugh!
Ah merde. Essayer de détruire les trucs. C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs? Les Schmickels. Quoi ces trucs là par terre? C'est à quoi? Ah, faut tirer dessus, tu crois? Ah ouais? Ça fait gagner des trucs. Oh, mais toi t'es un ancien. Tu dépenses une munition pour en gagner une? C'est marrant ça. Je perds de la vie. Ouais, je perds de la vie. Ah bon? D'accord. Je perds de la vie. Gratuit. Là, ma valise. T'as eux aussi là. Ah merde. Ah non. Ah.
Ah, il a disparu. Ah. Posez le dimensionnateur, Nefarious. Posez le dimensionnateur. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir ce que ça fait de perdre. Je vous préviens, c'est très énervant. Il faut juste que je calcule ces maudites coordonnées. À la voyure. Ah là là, la dimension parallèle. Quoi, la folaille? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se pourrait qu'il y ait un léger problème. Le pont est fichu! Le quartz. Essaie de le braquer vers l'une d'elles. On a quartzé. Wouah, c'est trop stylé. Jackie Quartz. Wouah. Je me demande combien les Farius pèsent. Pas assez en tout cas. Waouh, c'est trop stylé ça. Madre mia. Merci Gourdillo pour le Prime. Du quartz. Faut casser plein de pieds, n'empêche dans le jeu. Ah, je l'ai pas vu, eux. Schminkels. Ah, il est trop bien ce jeu.
Quoi, la valise? Il y a des pièces dans les fleurs. Pas leur tirer dessus. Hein. Quartz. Merde. Le vaisseau de Nefarious. Il faut qu'on trouve un moyen de monter. Les taxis au départ de cette plateforme passent à côté. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Nefarious. Réparer le dimensionnateur. Sur mon temps libre. Et je sais que retrouver les Lombax a toujours été important pour toi. J'ai pensé que peut-être nous pourrions les chercher ensemble. Waouh, ça me touche beaucoup. Mais je... Que dirais-tu de récupérer le dimensionnateur, déjà? On peut pas s'appuyer contre les murs. J'essaye le glitch. Non mais, pas là-bas déjà. Ah, j'ai réussi! Voilà. Ah! Oh! J'avais réussi à faire le glitch. Voilà, ah, presque. Ah voilà, on est que deux à le faire celui-là dans le monde. Ça sert à quoi d'aller là? D'accord.
Ah, c'est méchant ça. Ok. Là. Pour l'instant, on suit l'histoire, le truc, hein. Et tout à l'heure, il n'y avait pas de... Ok. Alors, il y avait des munitions. Ah, ça te remet full. Casse tout. Il a donné 1000 triangles. Ah. Le gros fait comme tout le monde maintenant, visage souriant. Le gros fait comme tout le monde. Alors déjà, je ne sais pas de qui tu parles, et étant un naturel mince. Et je sais pas c'est qui tout le monde non plus. Mais merci pour les beats. C'est quoi ça? Oh. Ah mais ça c'est pour acheter des armes, elle. Mais ça, ça donne que ça. Ça donne pas les munitions pour l'autre truc. D'accord. Fait-il vraiment surface après toutes ces années, juste pour essayer encore une fois de conquérir l'univers? Ouais. C'est juste un pompe, ça, en fait. On sort un peu trop bien à mon goût. Niveau 2. Et Farius. Ah mais c'est des bêtes ça, j'avais pas vu moi. Attends, et Farius. Travail, Hatchet. Je ne m'en serais pas sorti sans toi.
Allez, café qu'on rouvert. Nefarious. Des fruits. Des fruits. J'ai nefariousé. Je crois qu'il y a moyen d'aller là-haut en glitchant un peu le nefarious. On peut pas nefarious, c'est là-haut. Ah, c'est dur. Je voulais aller au-dessus, là. Il y a un nefarious là. Non, je suis rien. Nefarious. Nefarious. On peut pas nefarious. Nous devons empêcher Nefarious de trop utiliser le dimensionnateur. Il faut affaiblir ses défenses. Oh, ça fait mal! Tant mieux! Ah mais Nefarious! Crapale. Oui,
en train de faiblir. Darius. Des amis, d'où Nefarius peut-il bien les sortir? Aujourd'hui, mon grand va devenir... Il est fort dans la moindre phase. Et un âne pour un mari. Quelle fois vous nous l'avez faite, celle-là? Oh, je dirais dans les quatre... Non, c'est sans importance. Aujourd'hui, ce sera la dernière fois. Nefarius. Nefarius. Vous croyez qu'une défaite cuisante suffira à m'arrêter? Eh ben, ouais. Mauvaise réponse. Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne. À votre tour de goûter à la défaite. Et nous, Nefarius. Les dimensions sont en train de s'effondrer. Nefarius. Eh bien, je ne suis pas très optimiste. Super. Ah, où sommes-nous? Aucune idée. Raquel! Tourne donc! Nous t'avons combien de bras? L'abordage? Mais par quelle diablerie! Dégage de mon bateau, maudite créature! Nefarius. Nefarius Big. Nefarius. Qu'est-ce que vous dites de ça, mon œil? Et c'est quoi toutes ces lumières? Je crois que c'est l'heure. L'heure de votre défaite. Ratchet, le dimensionnateur. Ouais, il est dimensionnaté. Ratchet. Nefarius. Mon bras. Et... Non. Le dimensionnateur est... Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami. On va jouer Géraldine. Où suis-je? Mais... C'est moi? C'est moi? Ah, j'ai réussi! J'ai réussi! C'est moi qui gagne! Empereur Nefarius, vous rentrez plus tôt que prévu de votre conquête. Oui, empereur. Ils rigolent, les méchants. Waouh, c'est la fin du tuto. Nefarius. Clank? Clank? Une Lombax? Mais où j'ai atterri, moi?
Où est-ce que tu es? Peut-être que quelqu'un l'a aperçu ici. C'est sombre ici, hein. C'est bresson. C'est Blade Runner. Vous n'auriez pas vu un petit robot gris, par hasard? Les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. Okay. Nefarious. Robot gris par hasard, les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. Et Farius. C'est moi, votre acte bien juste. Farius. J'espère qu'il y a une bonne nouvelle derrière cette porte. Les Farius. Pas là qu'il faut aller. Et Farius. Bah, tu arrives. Ok. Il y a un truc bleu là. Faut pas aller autre. Ah, faut courir là-dessus peut-être. Ah, c'est un truc où faut courir sur le côté. Mais il peut pas courir sur le côté. Oh, c'est peut-être plus tard. Et Farius. Tu crois que les failles violettes sont un coup de la résistance? J'espère que l'empereur nous protège. Avant la résistance et l'empire. Et Farius.
Farius. Une minute. Vous avez oublié vos achats? Oh, mais entrez, voyons. Madame Surcon va te vendre des armes, mais tu dois te faire un peu plus discrète si tu ne veux pas compromettre la résistance. La résistance? Hein? Excuse-moi, mon chou, Madame Zurkon ne s'y connaît pas encore très bien. Oh, l'espionnage. Ah, c'est Géraldine. Comment je peux quitter la planète? C'est une question piège. Seules les navettes royales sont autorisées à partir. Les autres vaisseaux... Oh! Mais le fantôme peut t'aider. Laisse-toi guider par la musique jusqu'au club Nefarius et tu le trouveras. Club Nefarius, compris. Oh, et joli travail, agent secret Zurkon. Oh, 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 oh! C'est tellement excitant. Comment je vais la reconnaître, moi, la musique de ce club? On peut pas prendre les armes. Monsieur, voilà. Laisse-moi guider par la musique et tu trouveras le fantôme. On peut pas acheter d'armes là. Le club Nefarius. Là, je crois que je le tiens, mon club. Pas le droit de rentrer. Ah. Quoi, faut se déguiser. Plus vite je trouverai le club Nefarius et ce fantôme, plus vite je rejoindrai Clank. Nefarius. Que la dimension est déchirée. Ah. J'étais où là? Non. Je comprends ce qui est arrivé au char de la parade. Bah, je suis où là? Je crois que je dois sauter là. C'est quoi le but du truc là? Ah,
comprends pas le but du truc. À la date, bien joué. Il faut faire quoi la Nefarious? C'est plein d'énigmes ce jeu hein. Pièce d'armure. Il n'y a pas vert et rose, ah là là. Nefarious. Mélanger le cache, je vais pouvoir entrer en boîte. On te boit. On va en te boire. J'arrive, Clank. D'abord, il faut juste que je trouve ce fameux fantôme. Ah, le club Nefarious. Bonjour, est-ce que c'est vous le fantôme? Je veux bien être n'importe qui pour toi, merci. Comment est-ce que l'empereur craquer le son. Bah le jeu il est sympathique ma foi. Il est Nefarious en tout cas. Ah. C'est Nefarious. Je vais m'occuper.
les deux, sinon ils vont pourchasser le fantôme eux aussi. C'est le fantôme, forcément. Un type mystérieux, on l'a déguisé. Je suis sûr que c'était lui. Fantôme, attends! Tais-toi, j'étais en plein milieu d'une mission. Il avait écrit un truc. Il paraît que tu... Il avait écrit un truc, j'ai pas lu. Fantôme, attends! Tais-toi, j'étais en plein milieu d'une mission. Je m'appelle Ratchet. Il paraît que tu... Pas de nom! Il faudra être plus malin que ça si tu veux rejoindre la Résistance, le bleu. Pourquoi tout le monde croit que je fais partie de la Résistance? Nefarious. Mais j'ai raté de sauter le truc. Oh, la maladie, la maladie, la maladie, la maladie, la maladie, la maladie. Allez, jamais 809. Fantôme, attends! Tais-toi, j'étais en plein milieu d'une mission. Je m'appelle Ratchet. Il paraît que tu... Pas de nom! Il faudra être plus malin que ça si tu veux rejoindre la Résistance, le bleu. Pourquoi tout le monde croit que je fais partie de la Résistance? Relou, lui. C'est qui Nefarious, là? Quelque chose ici qui me permettra de rejoindre Fantôme. Ok. Tu veux bien arrêter de courir? Est-ce que c'est un genre de test? Vas-y, dis-moi. Nefarious. Et où Nefarious? Je suis déjà max. Le voilà! C'est la bouse de poil du club! Oh non! Je m'en occupe, fantôme! Toi, mets-toi à l'abri! Attends. D'autres membres de la Résistance. Sûr, le nouveau.
Merci. Chut. Où est-ce que t'es passé, là? C'est quoi, ça? Un genre de poignée de main secrète? Hé! Et j'en fais quoi, au juste? Oh, il est nefarious. Ok, le bleu. Qu'est-ce que le sprint de fantôme? Un sprint fantôme? En cessant d'exister. Ah ouais, waouh. Ah, c'est le R-Dash. Waouh, c'est stylé comme effet. Oh, c'est, ça fait comme un guinée. Et après on peut les Farius ici. Un sprint fantôme. Super, t'assures grave. T'assures. Sers-toi du bois pour courir le long de ces panneaux. Vas-y. T'assures, chaussure. Ah voilà, c'était ça que je disais. Tu veux aller encore plus loin? Enchaîne un saut et le sprint fantôme. Enchaîne un saut et le sprint fantôme. Mais j'ai fait de la merde. Ah bah si, c'est bon. Oh. Ah là là, on a glitché. J'ai besoin d'une navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? Le sprint fantôme. Il y a vraiment des effets de ouf dans le jeu. Ça en jette. Ces expressions. Tu peux me trouver une navette royale ou pas? Ah, les Lombax. T'es aussi têtu qu'elle à ce que je vois. Attends, tu connais l'autre Lombax? Elle est partie où? Sur Sargasso. Elle y retourne toujours après une mission. Sargasso. Je te propose un marché. Tu vois ce dirigeable? Si tu m'aides à en prendre le contrôle, je t'aiderai à entrer dans la tour Nefarius. C'est le seul endroit de la ville où tu trouveras une navette royale. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce dirigeable? Contente-toi de grimper sur ce toit. Je vais chercher mon matos. Je te rejoins là-haut. Le toit? Comment je fais pour l'atteindre, ce toit? J'arrive, Clank. Tiens bon, mon vieux. Nefarius. Il faut que je pense à l'esprit de la statue de l'empereur Nefarius tout à l'heure. Elle est encore pleine de sang. Hey. Nefarius. Nefarius. La liberté est si grande que ça. Oh merde. Okay.
Il est ouf le stage quand même. J'ai envie de voir si on peut sauter sur les voitures. Hop. Wow. Jennifer Hughes est là. Hein. Ceinture bleue ? Qui raconte ? Quelle ceinture bleue ? Et la maladie. Je comprends pas. My man. Grappine. Ah, j'avais pas vu le grappin. Ah ouais. Ah ouais, faut savoir lire et tout. Oh. Un instant, mon chou. Est-ce que tu vas sur le pied? Tu devrais d'abord utiliser ton raritanium pour essayer d'améliorer ton arsenal. R1. Standard quand on peut la rendre exceptionnelle. Sache que c'est toujours un excellent investissement d'optimiser ses armes. Tu as déjà cette amélioration. Tête en l'air. Merci pour votre aide, agent secret Zurkon. Bonne chance là-haut. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Envie d'aller au fond des choses? Essaie le collisionneur de Négatron pour traverser tout ce qui se trouvera sur ta trajectoire. Arrête d'être fait appel au champion. Style et motivation.
Nefarious. La seule arme à avoir détruit les ennemis de Mini Zircon et à avoir animé son dernier anniversaire, j'ai nommé Chapitron. Voilà la tête. Lancez-le et vos ennemis seront sous un tel choc qu'ils seront obligés de le suivre dans son délire. L'occasion idéale pour vous de vous éclater un petit peu. Allez, tu sais que tu en as envie. Je prends lequel, le champi ou l'autre? Le champitron, il avait l'air trop stylé. Prends le champitron. Avec ça, tu vas vraiment incarner l'esprit de la fête. Quel plaisir de te voir. Tu finis par arriver jusqu'ici. Tu m'impressionnes. Mais attends, tu peux me voir? Où est-ce que tu es? Tu t'es occupé de ma navette? Tu l'auras, ta navette. T'inquiète. J'ai juste besoin d'un coup de main pour une dernière chose. Le centre de bien-être Nefarious. Nefartus. J'ai l'attention de ces soldats pendant que je pirate le dirigeable de propagande de Nefarious pour envoyer un message inoubliable à la ville. Oui, ça devrait être joie. Ah! Traverse les ennemis avec ça. Oh non. Nefarious. Tant pis là. Et encore un Nefarious. Pas des munitions là. Non.
tirer pour avoir des munitions, mais... Tournez Farius, ma voix. Nefarius. Waouh. Pas bouchon gratiné. On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Ça, c'est Glitch. Elle t'aidera à monter dans la navette privée de l'empereur qui va vers la tour. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarius, en plein cœur de la ville. Nefarius. Et elle s'occupera du reste. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. Ah, le charisme. Bon courage, mon frère! Comment je suis censé me rendre au bazar d'ici? Nefarius? Ça fera l'affaire. On dirait... Ouais, ce glisserail devrait me ramener au bazar. Belle journée au service de l'empereur Nefarius. Mais je vois, comment je ramasse ça si j'ai pas de munitions pour tirer dans la munition? J'ai un truc que j'ai pas capté, ça. Là, comment je le ramasse? Peut-être comme ça? Non. C'est me rendre à la statue, utiliser Glitch, choper une navette et trouver Clank sur Sargasso. T'inquiète, j'arrive mon pote. Tiens bon encore un peu. Rends-toi la statue de Nefarius. Où est-ce qu'elle est, cette statue, déjà? Elle est où, la statue? Faut aller en Nefarius. Là. GG à moi-même. De la résistance, ça pourrait me servir. Je devrais jeter un œil. Nefarius. Ah.
c'était quoi? Où est-ce qu'elle est, cette statue, déjà? Ah, c'était pas l'histoire principale, mais c'était juste un... une quête annexe. Où je suis? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait néfarioucer là. Que tu es à court de raritalian, trésor. Tut, tut, tut. Ah, c'est forcément la console d'accès. Quoi? Interdit de doubler dans la file d'attente. C'est un boss. Mais où est-ce que tu sors, toi? Ces roquettes vont te calmer. Mais il veut me néfarius, lui, en fait. Non. Je suis vraiment ravi que tu aies survécu au voyage, mais tu vas mourir. Ah là 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 là. Je dois faire le plein. C'est pour ton bien. Ça recommence. Ouf, c'était un aller-retour. C'est pas vrai. Il est où? Je n'apprécie pas qu'on me résiste, Lombax. Et voilà. Je peux enfin connecter Glitch à cette console d'accès. Farius. Oh, salut. Tu dois être Glitch. Je suis Ratchet. Désolé de t'avoir secoué dans tous les sens. Disons que la situation m'échappe un peu et... pour tout dire, je n'ai plus personne pour m'aider, à part toi. Néfarius.
Ratchet ? Hein ? Il a l'air plutôt sympa. Il me suffit sans doute de supprimer quelques fichiers et ensuite... Ouais, c'est un mini-jeu dans le jeu. Ouais, c'est pour... Qu'est-ce qu'on fait ? Ah ouais, c'est en mode Nefarious, quoi. R2. Les virus. J'ai réussi. Oh, waouh. J'ai vraiment... Waouh. En tout cas, ça y est. On dirait que l'ordinateur est réparé. Bon. Tu vas enfin pouvoir prendre cette navette, Ratchet. Farius ? Ah, des pièges mortels, des robots de guerre, 5 canons destructeurs de planètes et un système de surveillance couvrant la ville entière. Si seulement ce maudit dimensionnateur fonctionnait encore ! Clan ? Hein ? La voix. J'arrive, mon pote. Non. Bienvenue au notre maître à tous. Mot de passe, s'il vous plaît. Nefarious. Pas besoin de mot de passe. Je suis l'empereur et si je te réduisais plutôt en miettes. Nefarious. Sargasso. Ouah, les transitions à la Star Wars. Tu dis que ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarious et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Et maintenant, tu dois retrouver ton ami qui se trouve être miraculeusement un Lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça ? Regarde, je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarious, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Au secours ! Nous sommes attaqués ! C'est... quelqu'un ! Mork ? Qu'est-ce qui se passe ? Nefarious ! Oh, accroche-toi ! Oh, attention !
Je fais toujours attention, hein? Ouais, on joue mais Géraldine. Où m'emmènes-tu exactement? Eh ben, je comptais te conduire dans ma planque, mais d'abord, je dois sauver mes amis à l'usine de gélatonium. Ouais, c'est Thor. Mais non, je joue Géraldine alors. Incroyable. Nefarious. Elle a quoi de différent alors? Elle a le vol. Bah c'est juste qu'elle a ça au lieu d'un... Une clé, elle a un... Un marteau. C'est les mêmes coups. Ah elle aussi, elle a le... Bah elle a tout pareil en fait. Il n'y a pas une particularité à la jouer. Ah si, il y a peut-être d'autres armes. Ah non, bah toi, j'ai les mêmes armes que j'ai achetées avec l'autre. En fait, c'est la même personne, elle et le Lombax. C'est juste qu'ils sont dans deux dimensions différentes. Et elle est craplard. Je pensais que ce sera un autre gameplay. Nefarious quoi. Au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Bon, c'est bien, c'est qu'on a fait la première partie avec Ratchet, on essayera avec Sylvie après.